Animalia, nos amis des animaux, peut commencer dans quelques instants. C'est encore une fois avec un extra grand plaisir, pour ne pas dire nasoir, qui m'a accueilli hier sur la MBC, la chaîne créole. Et aujourd'hui, nous, l'émission, nous peut dérouler in-house à Animalia de Candos. Et nous prenons un programme exceptionnel. Donc d'abord, nous pouvons trouver des moutons qui peuvent traiter Animalia. Donc nous pouvons trouver Abhishek et Ashwaraï qui peut faire ce traitement chez Animalia. Donc déjà, c'est une première. On va croire qu'il y a beaucoup de cliniques vétérinaires qui sont capables d'accueillir les moutons. Donc nous pouvons faire ça. Nous trouvons un poisson rouge aussi qui peut faire ce traitement chez Animalia. Et nous retrouvons aussi donc une opération quand même haut de l'ordinaire. Donc tout cela dans l'émission Animalia, nos amis des animaux. A tout de suite sur la chaîne créole Animalia, nous commençons. Je suis au courant combien l'Ichaïron de Nado Boris et à quel point une NGO, une institution, un rescue peut faire un travail formidable. Déjà pour ramasser l'Ichaïron, que ce soit souvent du dialogue au Larry, mais souvent c'est dans un drain, dans un lieu parfois inaccessible. Mon dieu, trop tard, puis rentre dans un lieu qu'ils avaient. Moi, je pensais un dimout qui va rentrer pour attirer les animaux. Mais aussi, ce qui nous faisait connaître, c'est que ça, l'Ichaïron, le but, c'est qu'il ne pas reste dans un refuge tout le long de la vie. Mais être traité par des rescueurs comme Cindy et Indy as well, être réhabilité, c'est-à-dire s'il y a un problème d'agressivité parce qu'il y a un bâtiment du monde, donc nous réhabilitons l'Ichaïron. Et ensuite, quand l'Ichaïron est instable, idéalement, c'est qu'il gagne la case. Et c'est pourquoi une journée d'adoption est essentielle, Cindy. Vous pensez que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. C'est très important parce que ça libère aussi des places au refuge pour d'autres chiens qui sont blessés, qui ont besoin d'aide. Oui. Donc c'est important qu'on trouve des familles et aussi qu'ils aient une vie heureuse après les malheurs qu'ils ont vécu. Tout à fait. Donc, et là, effectivement, nous aussi, c'est une réalité à Maurice qui tout bon refuge explosé. Tout bon refuge à Maurice, que ce soit chez Indies World, chez Pretty Sachi et bien d'autres, je peux opérer avec au moins deux fois capacité. C'est-à-dire, c'est un refuge qui a accueilli 50 chiens, il y en a minimum 100 chiens. Indies, il est arrivé à combien de chiens là? On est à 118. 118. Et donc, pourquoi idéalement, toi, tu peux planer vers les 50 à peu près. Donc, il n'arrive 118 chiens. Donc, c'est important que justement, nous passions à l'autre phase qui est adoption. Et justement, donc dimanche dernier, dimanche 26 février, Indies World, il fait une journée d'adoption chez Animalia. Comment ça s'est passé, Cindy? Super bien, on est toujours très content quand on fait des journées d'adoption ici. Mm-hmm. C'est super. Et le dimanche, je pense que c'est un bon jour. Et les personnes en congé, donc c'est bien pour venir voir nos chiens. Ouais. Ok. Et maintenant, si j'ai une rate sa journée d'adoption là, et que éventuellement j'ai toujours envie de naissance des animaux, que ce soit un chien ou un chat, à avoir une nouvelle maison, une nouvelle famille. Comment faire, Cindy? Est-ce qu'il y a toujours une amende de chiens pour adopter? Oui, il y a toujours des chiens à adopter. On en a plus de 100 à l'adoption encore. Donc, vous pouvez aller sur nos pages Facebook, Instagram ou TikTok ou sur notre site internet. Là, vous allez trouver toutes les descriptions des chiens qui sont actuellement en adoption. Mmh. Et sinon, vous pouvez venir nous voir directement à Baie du Cap. Le refuge, il y a toujours quelqu'un. Donc, c'est avec plaisir. Le public peut venir à Baie du Cap aussi? Oui, oui. Et là, j'ai vu qu'il y a eu des travaux, c'est un peu plus accessible. Oui, un petit peu plus. D'accord. En tout cas, merci Cindy. Merci. Donc voilà, Maurice Diali, adoption, c'est un geste essentiel et aide beaucoup d'animaux à avoir une famille. Donc si vous ratez la journée d'adoption que Indies World s'est organisée dimanche chez Animalia, vous êtes capable de contacter Indies World, contacter Cindy, par Facebook, par TikTok, par Instagram et éventuellement, visiter votre refuge. Et retourner avec un petit baba dans tes bras. C'est ça? Merci Cindy. Animalia, nous pas trop des chiens sats, mais nous pouvons aussi trouver d'autres animaux féminins. Nous avons des porcs, nous avons
caméléon. Et là, depuis quelques temps, nous avons un autre type d'animaux, nous avons une forme animals. Donc, nous parlons tout de suite un mouton. Vous avez peut-être trouvé dans nos pages Facebook, mais là, nous pouvons trouver un mouton qui peut être traité par le docteur Darwin. Maintenant, le gros qui nous dit dans les affaires, c'est que bon vétérinaire, bien sûr, pendant cette carrière, cette study, pardon, cette gain formation pour traiter tous les animaux. Mais ça, il existe pendant cette année d'études. Comment un vétérinaire peut spécialiser après? Beaucoup de vétérinaires spécialisent en chien et chat, la plupart vétérinaires. Donc ça, c'est un domaine bien particulier. Il y a un vétérinaire qui est spécialisé d'un côté cheval, et nous avons un vétérinaire qui est spécialisé d'un côté forme. Nous avons la chance à Animalia depuis bientôt 3 mois. Nous avons le docteur Navin avec nous. Le docteur Navin est sur Sri Lanka. Et le docteur Navin dit non seulement dit excellent en chien et chat, mais le docteur Navin, dans ce pays là-bas, il traite beaucoup chevaux, il traite beaucoup serpents, il traite aussi beaucoup éléphants et il traite farm animals. Donc, quand mal propriétaire, mal farm animals, là, nous pouvons trouver un mouton pour traiter. Donc, vous êtes au courant que le docteur Navin a Maurice, Animalia, et qui est dans sa compétence. Là. Donc, nous pouvons gagner de plus en plus mal propriétaire, puis amène un animaux de ferme. Animalia. Donc, de fois là, nous trouvons un bouquin vini et après un bouquin aujourd'hui, nous trouvons ça, monsieur là, il amène ce sheep. Hi, Dr. Navin, how are you? Hello, good morning. Good. I will not disturb you in your work. So, tell us briefly what has happened to that sheep. Yes, this sheep was attacked by a goat and he has butted with his horn and the horn has pierced through the between abdomen and the thigh muscle. Okay. So it has caused a big laceration okay. in between. So it's actually not a contaminated wound mm-hmm. and it's a lot of dirt. So we have cleaned it and now we are treating it for almost for five, six days. It's getting better? Getting better, yes. It's for sure it is now far more better and animal is in good form, eating. Yes, it's eating and in good form. The wound has to go some more days to get healed properly, but it is in good form and with a lot of promising prognosis. Okay. Donc, Dr. Amin, dites-nous qui ça mouton là, il est attaqué par un cabrier. Cabrier là, quand il donne un coup de tête, ce cône il enterre dans la cuisse à l'intérieur qui fait un. Entaille bien profond. Malheureusement, ça entaille-là est contaminé parce qu'il y a beaucoup la terre là-dedans, beaucoup la poussière là-dedans. Et Dr. Navin donc, peut traiter l'animal depuis 5 days, yes. à proximité, donc depuis à peu près 5 jours. Nous allons dire bravo le propriétaire ici parce qu'il peut prendre la peine d'amener ces animaux-là tous les jours pour faire traitement. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé une plaie qui envoie de guérison. It's much better now. Much better. Okay. Yes. Because the body has to get the repairment. Okay. Yeah? So we have controlled the infection mm-hmm. and the wound is clean mm-hmm. and it is getting filled up. Okay. Yes. Very good. Et si vous pouvez nous page Facebook, vous trouvez que depuis quelques temps, quelques jours, nous avons posté, we have posted on our Facebook page, Dr. Navin, yet is we treat and goldfish, donc mon corps est premier dans l'île Maurice. Nous capable montrer vidéo là à l'antenne. Donc, you have been treating a goldfish yesterday. Yes. Et Dr. Navin, il traite une poule, il traite aussi un cabri. Et là, prochainement, une madame, il dit, il peut mettre une couleur parce que you are also a specialist for snake, right? You are used to treat snake. Yes, I was working with the zoo mm-hmm. and I am able to treat the snakes. OK, donc la prochaine fois, c'est un couleur mauricien qui Dr. Navin peut traiter. So I will let you please continue your work and I will just have a chat with a gentleman. Qui va dire, monsieur? Ça va? Bonjour. D'abord, vous êtes un bravo parce qu'il y a un éleveur qui peut prendre soin aux animaux parce qu'il n'est pas évident vous connaissez, pour amener les animaux là, l'eau, camion, débarquer ici, refaire ce genre d'affaires là. Donc, bravo, vous pouvez faire un travail formidable. Donc, vous dites-nous, ce mouton là, qui l'a géré? 8 mois. 8 mois. Et il paraît bien grand pour ce 8 mois. Oui, non, sa race qui est là, il y a une race droupée. Droupée. D'accord. Mais sa qualité race. Qui c'est d'origine ça? Et non, sur l'origine même, il dropait même. Okay. Il venait même d'enfant, dropait, mm-hmm. mais il venait de bonne qualité, mouton. D'accord. Et il venait bien, bien gros. Donc là, mais, là, il y a encore pour aller là? Oui.
Là, depuis l'année, moi, mon pensée dit pour finir une dépit jusqu'à 100 kilos. Parce que mon déjà amène les animaux jusqu'à 125 kilos. Ok. Oui. D'accord. Et combien de moutons vous avez dans la case? Là, moi, il y a pour le moment 4. D'accord. 4. Mais moi, il y en a une qui est pleine. Moi, amène aussi pour faire un écho pour vous confirmer si pas les pleines. Voilà, donc là, après qu'il nous finit avec sa mouton, là, ou bien le mouton, il y a un nom ou bien il y a un nom? Non, mais selon Abisek, parce qu'ils ont tous les enfants contents qu'il y ait Abisek à la case. Abisek Batchan, ça? Voilà, quand on dit Abisek, et dans l'autre là, fait mes lapins et la soirée. Extraordinaire. Donc là, nous avons Abisek et Kachouaraï. Avec tout le respect qu'il est là pour Abisek et Kachouaraï dans l'aide. Donc, nous avons tout Abisek et Kachouaraï. Un super nom. Donc là, Abisek préfère les traiter. Et quand Abisek pour finir faire les traités, nous avons Kachouaraï pour venir faire son échographie. Donc, docteur, pour checker, ce n'est pas des plaintes. So, you will be, you know Abisek and Kachouaraï in Bollywood? Yes, I know. So you are treating, you know what you are treating Abisek and Kachouaraï? Okay, they have named them as the similar names. Yeah, okay. So after that, you will be doing an ultrasound for the female to see that she's pregnant or not. All right. Okay. Yes. Ok, donc là, vous avez nous pour moi plus que 100 kilos. Oui, 100 kilos. Ok, donc ça c'est à part ça, vous avez les autres animaux? Et moi j'ai un gros bouc. Moi j'ai un bouc à peu près 75 kilos par là. 75 kilos. 75 kilos. Incroyable. Oui. Ça a si bonne gros qualité. Ça. Oui, ben mon content soit ben monstre même comment dire, ben les animaux c'est qui vit monstre. D'accord. Oui. Et ou passion ça? Oui. Mon content depuis enfant, moi j'ai plus vers vendre. D'accord. Mais moi connais que c'est un peu difficile pour garder comme ça là. Oui. Mais moi vous dis une dernière affaire. Oui. Il y a beaucoup d'enzo qui sont pas intéressés avec l'élevage. Oui. Donc il y a un métier intéressant. Moi je vous dis à Manzen, si je n'ai pas payé comprend, si j'ai envie d'intéresser pour soigner les animaux, moi j'ai mon numéro là-dedans. D'accord. Je te cas téléphoner, je peux donner tout le renseignement qu'il faisait. D'accord. Et je félicite sa compagnie qui peut faire un bon ouvrage, peut donner un bon service. Mm-hmm. Son qualité de travail est super. Et puis, je remercie ça, docteur qui peut m'appeler David. Remercie. Mon petit Atan qui, dans le ticket de jour, comme ça, moi, je pense que je vais oui. Et un la perte comme ça, il y a un gros la perte. Il y a un gros la perte pour nous. Il y a à peu près 17 à 18 000 roupies. Ah, c'est vrai? Oui. Okay. Mais c'est moi, docteur, il m'a un bon dépeine. Je félicite sa compagnie qui peut faire ça. Je vais espérer travailler, on se plie beaucoup. Et je vais dire à mon camarade, amène d'autres animaux. Pas pour perdre. Voilà, peut-être que tu passes nous terminer là, ou tu passes un petit annonce, mon camarade élevé, fermier, comme ou. Parce que souvent, je dis, je ne suis pas au courant qu'ils ont quoi, qui clinique vétérinaire peut être 10, 10 ans, ça. Donc, quand je dis animaux malades, je ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Moi aussi, j'ai eu ce problème là, dans le dimanche, les animaux nous blessés. Je ne connais pas qui vous fait ça. Découragé. D'ailleurs, finalement, je suis venu à nous là dans Facebook. Et je me dis, si on a un coup, je ne suis pas capable de demander pour mes soins pour ça. Les gens téléphonent, ils disent ok, pas de problème, vini. Et là, sur le vétérinaire, capable de faire des affaires. Nous vini, traitement là, bon, moi, je dis à mes camarades élevés, qui peuvent faire élevage, amène d'autres animaux si je gagne un problème. Côté animal. Côté animal. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Nous avons une bonne recommandation de la part de ce monsieur. Je voudrais dire, animal là, pas traite seulement les chiens sat, mais nous peut traiter moutons, cabris, et même goldfish, donc nous trouvons la vidéo, même goldfish nous peut traiter. Et Dr Navin aussi, il est très très bon en oiseaux. Donc nous connaissons, il y a beaucoup d'oiseaux dans Maurice, beaucoup éleveurs d'oiseaux. Donc si vous avez un problème avec les oiseaux, vous êtes capable de venir là, que ce soit Dr Navin ou les autres docteurs, pour donner le best traitement possible. Bon, les autres continuer avec le traitement. Merci, docteur. Animalia nous fait. Ban chirurgie, je pense, unique à Maurice et au père. Et nous avons l'occasion à maintes reprises de montrer eux de visu et en direct. Sa ban chirurgie a pu dérouler. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion pour montrer eux ce qui peut apparaître au départ un peu choquant, un peu cri. Mais dis bon, je comprends ça. C'est nous pour montrer eux, docteur Razi, au père, une femelle qui est un cas de pyomètre. Pyomètre en. On appelle une pyometra en anglais. C'est quoi? C'est une infection de l'utérus. Et là, je trouve sa femelle là, sur l'utérus qui est haut là. L'utérus là, il est tellement infecté qu'il est gonflé. Donc, parce qu'il y a vraiment une bactérie à l'intérieur multipliée. Et il y a une fer qui fait belle là, il y a un utérus totalement explosé, comment on dit. Donc, je passe la parole peut-être à Dr Razi, parce que là, je peux trouver un cas vraiment exceptionnel. Nous habitués au PR pyomètre quasiment toutes les semaines à Animalia. Mais ça, 4 pyomètres qu'ils ont trouvé là, c'est un man plus gros qui
qui m'ont trouvé, même docteur Razi, avec ce longue expérience, pourquoi plus de 12 ans comme chirurgien, il peut dire, moi, c'est un mal plus gros pyomètre qu'il a trouvé. Donc, et là, un cas comme ça, s'il n'est pas diagnostiqué à temps, et s'il n'est pas un chirurgien qui bise à temps, ça dit, c'est sûr que tu perds ce d'avis. I know Dr. Razi is very, very, very taken up, but you would be able maybe to say a few words while you work, Dr. Razi, or if you would be taken, I will not disturb you. Just have one advice, please. Yes. We need to advise all of the owner of dog to do sterilization at least in first year, or it's better after 6 months age. So if we do a sterilization in good time, we don't have this problem. We don't have this problem. And if I want to say how much is serious, at least we have two or three dogs in a week with pyometra and breast cancer. This is most important life-threatening problem in dog, in all dog here in Mauritius. That can be prevented by sterilization. But first of all, can you just explain very briefly to the public what is a pyometra, how it happens? Pyometra. So, the started by a small infections in the uterus, yeah. But the physiologically body thinks that it is a baby. Mm-hmm. So the hormone make a mechanism to hold this pulse. Okay. Envelope here, don't let to come outside because the body physiologically think that this is the baby. Because it is in the uterus. Yes, because it's in the uterus, all of the hormone help to hold this one. Okay. And it's going to bigger and bigger and bigger. One time, emergencically, the dog come here with vomiting. White blood cell is indicated of the infectious in the body erase a lot. Donc ce qu'il dit à nous, c'est qu'il commence par une petite infection dans l'utérus et normalement nous découvre un mécanisme de défense quand nous avons une infection, nous découvre reset l'infection. Mais sauf que dans le cas du pyomètre, parce que l'infection là peut dérouler dans l'utérus là, l'écho d'Ishana, il reconnaît comment l'Ishana est un bébé parce qu'il y a un écho étranger dans ce l'utérus. Alors, au lieu de les résoudre, ce qu'il fait, il déclenche les hormones pour les prothèses et il permet justement l'infection là grossir. Donc là, bien évidemment, dans ce cas-là, nous partirons de choix. Donc nous attirons l'appareil là complet, c'est-à-dire les deux ovaires et l'utérus. Et comment vous trouvez, c'est un utérus avec un pyomètre qui est énorme. Donc vraiment, le chien, une sape de très très loin, comme on ne peut pas dire. Maintenant, le docteur Razi dit à nous, un moyen bien simple nous évite ça, c'est la stérilisation à partir de 1 an. Donc, dès qu'une femelle arrive, nous capable de dire une jeune maturité, une termine sa croissance, si nous stérilisons nos femelles, nous pas pour gagner problème parce que justement, l'utérus est ouvert, il finit enlevé. Donc, nous pas pour gagner ni ce problème-là. Et l'autre problème qui est très très courant encore, c'est qu'il appelle un cancer mammaire. Donc, c'est-à-dire, ma femelle-là a un cancer dans cette chaîne de tétons, chaîne de mammaire, qui souvent nous gagne aussi. Donc, si vous stérilisez ou femelle, si vous prenez un breeder, vous stérilisez ou femelle à partir de 1 an, vous évitez des gros problèmes de santé. Donc, pyomètre qui nous peut trouver et tumeur mammaire qui nous dépasse dans l'émission aussi. Donc, ça, c'est bon conseil qui le docteur peut donner. Donc, si nous pas un breeder, faire stérilise à partir de 1 an, nos animaux nous évitent tout ça problème. It is a very young dog, Dr. Razi, or middle age? 6 years. So it can happen at any age, right? Yes, yes. Okay, donc c'est capable d'arriver à tous les âges. Donc le mieux, c'est stérilise ou déchirer le plus tôt possible. Vous êtes une émission extrêmement riche et variée aujourd'hui, moi aussi, hein, avec nous trouvons sa grosse opération qui peut dérouler, Dr. Razi. Nous trouvons moutons d'animalia et bien d'autres choses aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons terminer l'émission avec un ban, mon capable ban pilier animalia, c'est Suchita. Suchita avec nous depuis déjà quelques années.
et bon, capable vraiment en toute sincérité de dire que la valeur d'une entreprise de faire en fonction qualité ce ban staff et suite à si le boucos valeur et staff les endman pilier donc il y a du mal à faire des bouts. Suite à bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Donc suite à les responsables de la pharmacie chez Animalia. Donc tout le monde qui vient d'Animalia bien compte sur ça parce qu'il fait bien plus qu'ici-là. Tout le temps, il peut aider, il peut donner un petit coup de main ici, il peut donner un petit coup de main là-bas. Mais sur ça, il a une longue carrière dans le monde animal. Donc on fait déjà plusieurs années quand, dans l'administration chez MSO, MS Special, et qui vient. Combien d'années on fait là-bas? Presque 15 ans. Presque 15 ans. Presque 15 ans avec les animaux, dans l'administration, un peu de tout. J'ai acquis l'expérience depuis là-bas. D'accord. Et on saute là-bas, on a tous un peu de côté abeille. Oui, oui, toujours le monde des animaux, mais côté insectes, c'est plus côté abeille. Et donc le miel, plus précisément, et tout ce qui est relatif avec la nature. Et là, depuis donc, 2 ans, ou chez Animalia? Ou l'expérience chez Animalia? Ou forcément devant moi, vous êtes à top là. Non, non, c'est pas menti, c'est toute la vérité. C'est une riche expérience. C'est beaucoup plus que j'ai appris. Je m'apprends à la MSO, à la MS spéciale, je fais la base, mais je mets tout ça en pratique ici. Donc, c'est tous les jours un new adventure. Mm-hmm. Tous les jours, il y a un nouveau quelque chose, il y a beaucoup plus d'animaux. Et c'est vaste, vaste pour, comme l'expérience et le travail. Je choisis ce sujet pour terminer l'émission parce que j'ai envie de lancer un appel, lui qui choisit dès ce jeune âge pour faire ce carrière avec les animaux. Animalia peut recruter. Animalia tout le temps peut recruter, tout le temps la recherche ban di moun qui envie faire ce carrière avec les animaux. Encore une fois, pour nous, qualification est importante, oui, mais la passion est plus importante que tout. Animalia peut recruter plusieurs personnels, assistants vétérinaires, pharmacie, vétérinaire, un peu de tout. Si vous êtes passionné par les animaux ou content, rejoignez-nous tous les jours pour une nouvelle aventure pour vivre et où il y en a beaucoup plus. Moi, pour dire un petit, si monsieur Dell permet-moi, je viens chez Animalia, je commence un petit peu, mais je gravis les échelons parce que j'ai de mon expérience, j'ai de mon travail et mes études pareil. Ce n'est pas quand je pouvais venir, je pouvais être en place. Donc, m'encourage. Je suis content des animaux, je t'invite de nous être plus sur ça. Rejoignez-nous à Animalia. Vous n'allez pas être déçus, vous allez être superbement content. Merci, Suchita. Donc, comment je peux contacter nous? Je t'envoie un CV par email, info@animalia.mu, info@animalia.mu, ou bien un jour, vous pouvez passer par Animalia, venir rendre une petite visite, vous êtes capable d'un HR, nous causer et éventuellement gagner une entrevue, gagner un poste tout de suite. Sur cette émission, on peut finir. Je vous dis à vous, merci de votre fidélité. Vous connaissez beaucoup, 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 nombreux. Il faudra que vous passez dans un supermarché, un monsieur puis fixez-moi et arrête-moi. Je vous dis à vous, quand il est arrivé, je suis bien content d'animer hein, parce que je vais checker toutes les émissions tous les vendredis. Donc, comme ça, vous connaissez qu'il y a des milliers de personnes. Je vous dis à vous, merci de votre fidélité. Et je vous retrouve vous, vendredi prochain à la même heure sur la MBC chaîne créole. Pas oublier à nous sur YouTube aussi. Je tape MBC Online Animalia. Je pourrais tout nous l'émission. C'est à ceux du désert. Au revoir et à bientôt.